Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Merci de faire confiance à cette chaîne YouTube Michel Biempton. Merci de recevoir cette vidéo chez vous. Merci de partager massivement cette histoire assez touchante sur les pratiques mystiques hein, de l'actuel ministre des Sports, Narcisse Mouelle-Kombi. Ce n'est pas moi qui vais mettre tout cela à nu ici, à travers cette vidéo. C'est bel et bien son domestique, un certain Benjamin Rime, qui est en ce moment incarcéré à la prison centrale de Yaoundé-Koundangui, accusé d'avoir volé une somme de plus de 100 millions de francs CFA au domicile de Narcisse Mouelle-Kombi. Benjamin Rime, qui était son domestique, son garçon de maison, a été condamné à 10 ans de prison ferme le 25 novembre 2020 par le tribunal de grande instance de Yaoundé, le tribunal de grande instance du Mfunzi, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, nous allons donc accorder la parole à Benjamin Rime afin qu'il puisse donner sa version des faits sur cette affaire. Et au passage, Benjamin Rime va nous raconter son histoire avec le ministre Narcisse Mouelle-Kombi. Il va également faire un certain nombre de révélations sur les pratiques mystiques, les pratiques ésotériques de l'actuel ministre des Sports et de l'éducation physique. Je ne vous en dirai pas plus, mesdames et messieurs. Je vais vous faire écouter Monsieur Benjamin Rime, l'ex-domestique du ministre Narcisse Mouelle-Kombi. Alors, nous allons donc l'écouter dans quelques secondes. Benjamin Rime, comme vous le savez, a travaillé au domicile de Narcisse Mouelle-Kombi comme garçon de course. On l'écoute. Alors, bonsoir. C'est moi, Benjamin. Si je voulais vous expliquer comment ça s'est passé, j'ai commencé à travailler chez Narcisse Mouelle-Kombi au mois d'octobre 2015. J'ai commencé comme agent d'entretien. Le test était pour 2 mois. Le premier salaire était proposé de 35 000. J'ai refusé. Moi, j'avais proposé qu'on paye un minimum de 115 000. On m'a dit non, pour un départ, il faut commencer avec 35 000 pour qu'on voit comment tu travailles. Après, on va monter le salaire. Ce qu'il m'a proposé, bon, j'ai accepté. Vu que lui faisait confiance, ça me rend tombe. On a commencé le travail, j'étais agent d'entretien, c'est moi qui s'occupais de la maison, des poissons, des voitures. Je faisais aussi des commissions, j'avais déposé des documents pressants, j'avais cette femme qui a fait régie parce qu'il y a 2 femmes. Donc je m'occupais de tout parce que la femme n'était pas mort, elle vit à Paris, les enfants sont malades à cause de trop de mauvaises choses qu'ils font. Voilà. Vous venez donc d'écouter Monsieur Benjamin Rime. Il dit que tous les enfants de Narcisse Mouelle-Kombi sont malades à cause des mauvaises choses qu'il fait. Je le cite, hein, tous les enfants de Narcisse Mouelle-Kombi sont malades à cause des mauvaises choses qu'il fait. Ça, c'est Monsieur Benjamin Rime, ex-garçon, ex-agent d'entretien au domicile de Narcisse Mouelle-Kombi, qui le dit. On continue. Bon, en fait, j'étais presque dans le tout fait, j'allais faire le marché,
J'avais souffert parce que nous étions venus dans la maison avec la ménagère. La ménagère, une fille en marche, qui ne savait même pas faire manger, ça aurait rien fait. Moi, j'étais obligé de mettre ma main dans la pâte pour tout ce qu'il fallait faire. J'allais faire le marché, j'allais l'aider à gérer tous les problèmes, de sorte que la jeune fille de ménage, je ne connaissais pas. Elle me lavait les habits, presque, je touchais à tout. Au fond, elle était fatiguée de son travail, de salaire minable qu'on lui donnait de 30 000. Elle a démissionné sans même dire au ministre qu'elle démissionnait. Elle lui a fait comprendre qu'elle allait au village avec le temps de démissionner. Un matin, j'arrive au travail, c'était en décembre 2015. J'arrive au travail le matin, je dis déjà, on avait vu la voiture du ministre, tu m'accompagnes. Je m'accompagne en van avant qu'elle allait au village, elle a démissionné, elle ne travaille plus. Elle n'est pas là pour qu'on l'exploite, on passe le temps à coucher avec elle. Voilà donc comment elle démissionne. Ok, monsieur Narcisse, monsieur Benjamin Rim raconte donc qu'il avait pour collègue une jeune fille anglophone qui travaillait au domicile de Narcisse Mouelekombi. Et un jour, elle décide de laisser tout tomber. Elle décide d'arrêter tout et de rentrer au village parce qu'elle en avait marre de travailler pour un salaire de 30 000 et qu'elle en avait marre qu'on couche avec elle. Devinez qui couchait avec elle. Allez, on continue la lecture, mesdames et messieurs. Quand je rentre, elle me dit, qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit, moi-même, avec elle est rentrée, qu'elle a venu travailler, alors qu'elle partait pour dire, bon, je suis là, reste là. J'ai commencé à préparer, à m'occuper du ménage, à faire le marché, aller réceptionner la nourriture chez les membres de la famille ou chez les membres du ministère. Donc, toute la commission m'était attribuée pendant un mois. Autant qu'on trouve une fille qui vient s'occuper de la cuisine. En attendant, donc, moi j'occupais toutes ces tâches. On allait maintenant au village avec le ministre. Il m'envoyait constamment en mission. Je n'avais pas de compte, pas d'avantage, rien, rien. Même pas de rémunération, même pas de contrat de travail. Donc, je n'avais aucun document qui attestait que je suis un employé du ministère, du ministre de l'Agriculture. Ok, monsieur Benjamin Rim raconte dans cet audio que le ministre Narcisse Mouelekombi, l'actuel ministre des Sports, le mettait souvent en mission pour le compte du ministère des Arts et de la Culture. Donc, monsieur Narcisse Mouelekombi, à l'époque, c'est-à-dire quand il était ministre de la Culture, puisque le mec dit que le Narcisse Mouelekombi l'a recruté en octobre 2015. Et c'est le 2 octobre 2015 que Narcisse Mouelekombi est nommé ministre des Arts et de la Culture. Et ce garçon dit que le ministre Narcisse Mouelekombi le mettait très souvent en mission pour le compte du ministère des Arts et de la Culture. Mais ce qui est curieux, c'est que le ministre Narcisse Mouelekombi ne lui payait même pas de frais de mission, ne lui faisait même pas signer des ordres de mission. Il ne lui donnait rien, même pas un copec. Narcisse Mouelekombi exploitait ce garçon-là, l'envoyait en mission sans rien, sans lui verser le moindre copec. Allez, on continue la lecture, hein. Donc, moi, mon salaire, je ne le percevais même pas. Parce que ça faisait 2 mois sans salaire. Et je voyais l'argent. Benjamin Rim, malgré le fait qu'il était payé à monnaie de singe, parce qu'il vous a dit dès le début de l'audio qu'il s'est entendu avec Narcisse Mouelekombi sur un salaire de 35 000. C'est-à-dire que moins que le SMIC, donc le salaire minimum interprofessionnel garanti au Cameroun, qui est de, je crois, 36 000 et poussière. Et non seulement il est payé, Narcisse Mouelekombi lui versait un salaire minable, mais il ne le payait même pas régulièrement. On continue la lecture. Une samedi, comme après 2h, 3h, j'allais au travail sans avantage. Je travaille tous les jours que Dieu fait sans repos. Je suis rentré chez moi à 23h.
On me rappela 2 ou 3 heures quand les marabouts arrivaient, que dans certains fétiches, c'est le plus bizarre, on me rappelait. Donc, honnêtement, j'ai été franchement utilisé. Je n'ai jamais eu de gratification, même sur quoi que ce soit, même quand j'avais au village en mission. Ça, c'est jamais constamment au village en mission. Quand je demandais l'argent, il me disait, reste tranquille, je vais te situer. Au point où je me suis dit, je commençais à venir chez moi la nuit, dans les bras astrales. Parce que lui-même est arrivé qu'on a voyagé plusieurs fois de manière à plus. Voilà, monsieur Benjamin Rim. Révèle qu'il faisait souvent des voyages astraux avec le ministre Narcisse Mouelle Kombi. Monsieur Benjamin Rim dit que le ministre Narcisse Mouelle Kombi venait constamment chez lui afin qu'ensemble ils organisent des voyages astraux. On continue la lecture, mesdames et messieurs. Bizarre, tu es bizarre, et il paraît même qu'il avait des rapports avec mes collègues. Quand j'ai vu tout ça, il m'a accepté. Voilà. Monsieur Benjamin Rim dit que le ministre Narcisse Mouelle Kombi entretenait très souvent des rapports sexuels avec certains de ses collègues. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette jeune cuisinière anglophone qui a dû quitter le domicile de Narcisse Mouelle Kombi et repartir chez elle dans son village parce qu'elle en avait marre non seulement d'être payée, de percevoir un salaire minable chaque fin du mois, mais aussi d'être abusée sexuellement par le ministre Narcisse Mouelle Kombi. Allez, on continue la lecture. Pour la même chose, il me harcelait déjà. Et avec la misère que je vivais, je n'avais pas d'argent, pas de salaire et tout, c'est là où j'ai décidé donc de prendre de l'argent, parce que c'est vrai qu'il y avait de l'argent à la maison. Il y a l'argent à la maison dans 2 coffres. Il y avait un coffre, il y a un placard, là, il y a plein d'argent. Il y a plein d'argent dans ce placard, c'est là où il y a même l'argent. Parce que là, le transport, là, ils sont fâchés, ils ont pu aller se tirer de l'argent, ils ont se tirer beaucoup d'argent. Le chauffeur, le gars du corps, il a viré le gars du corps. Et il a gardé le chauffeur. Il y avait au moins 15 gars du corps changés parce que je sortis l'argent dans les manettes. Parce que moi, ça avait 2 manettes. Alors, M. Benjamin Rim dit que le ministre Narcisse Mouelle Kombi gardait beaucoup d'argent chez lui. C'est-à-dire qu'il avait 2 coffres-forts dans lesquels il gardait beaucoup d'argent. Et je tiens à vous rappeler que ce garçon a été condamné à 10 ans de prison ferme le 25 novembre 2020 pour avoir détourné 85 millions de francs CFA au domicile de Narcisse Mouelle Kombi. Bon, ça c'est ce que l'accusation dit, c'est-à-dire que l'acte d'accusation là, c'est-à-dire que le parquet du tribunal dit. Or, lui, Benjamin Rim, a très souvent clamé que la somme qu'il a eu à prendre au domicile de Narcisse Mouelle Kombi était bien plus que ça. Se chiffrait à 110 millions de francs CFA que Narcisse Mouelle Kombi gardait chez lui. Et il s'est même prouvé que le chauffeur de Narcisse Mouelle Kombi, ses gardes du corps, qui transportait ses sacs d'argent-là pour venir garder chez lui, avait très souvent l'habitude de lui voler de l'argent, de lui prendre de l'argent. Et c'est ainsi qu'il a eu à virer, ça c'est ce que Benjamin Rim dit, hein, qu'il a déjà changé pas mal de gardes du corps, c'est-à-dire qu'il en est à une quinzaine, il en était à 15 gardes du corps, juste parce qu'il se plaignait tout le temps que de l'argent lui était volé par ses gardes du corps. On écoute la suite, mesdames et messieurs. Bonjour. Quand on a retenu la maison, il a peut-être en une cinquantaine. Parce que la majorité des missions, parce qu'il paye partout, même pas la nourriture. Voilà. C'est justement parce que Narcisse Mouelle Kombi ne payait pas ses gardes du corps, que ces derniers étaient obligés de lui prendre de l'argent dans ses coffres forts, dans ses plaques qu'il cachait, dans les placards et tout.
Et c'est ainsi qu'il était obligé de virer certains d'entre eux et de remplacer, virer, remplacer, virer, remplacer. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé à pratiquement 15 gardes du corps utilisés. On continue la lecture, mesdames et messieurs. Il a intérêt de toucher quoi que ce soit chez nous, les alentours n'ont pas d'accord. Les alentours font chez lui un mot, ils n'ont pas de prime. Il bloque, il leur dit que c'est lui qui commande, celui qui ne veut pas démissionner. Donc, honnêtement, je crois qu'en entier, les employés démissionnent parce qu'ils ne sont pas bien payés, ils ne sont pas bien traités, ils ne mangent pas. Pas d'avantage, rien, rien. Je travaille pendant des années, pendant 5 ans. J'étais fatigué de voir de l'argent entrer chez lui. Et tout le monde fait des marchands avec lui se plaint, pour les frappe, il frappe tout le monde. Pas le traiteur marché, il ne te paye pas. Il ne te paye pas, il te fait des belles promesses. Il couche avec toutes les femmes, même les ménagères, il les couche. Donc, voilà, Benjamin Rim révèle que Narcisse Mouelle Kombi, bon, du moins du temps où il était son domestique, faisait ce qu'on appelle de l'exploitation de l'homme par l'homme. Il utilise le garçon de course, et le domestique, il ne le paye pas. Il utilise la cuisinière, il ne la paye pas régulièrement. Au contraire, il abuse sexuellement de cette dernière. Il utilise même les gardes du corps. Les gardes du corps, c'est-à-dire que ceux qui sont chargés d'assurer sa garde, il ne leur verse aucune prime. Il utilise même le chauffeur, il ne le paye pas. Voilà pourquoi ces derniers étaient obligés de lui voler de l'argent dans la maison. On continue, mesdames et messieurs. Bon, j'étais rassuré maintenant qu'il fallait aussi convaincre parce qu'il essayait avec l'argent, ça n'a pas donné. Il a commencé maintenant à nous faire des propositions. Pour ça, sa femme soupçonnait qu'il y avait des choses qui se passaient entre lui et moi, parce que sa femme venait souvent. En tant d'années, en décembre, quand elle venait, elle faisait deux semaines rentrer. Parce qu'elle aussi ne supporte pas quand c'est un monsieur qui ne donne pas l'argent, il pratique trop. Tous les enfants sont malades. La famille n'arrive pas chez lui. J'ai bien vu certains membres de sa famille chez moi, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils donnent chez lui. Quand ils arrivaient à 2 heures, 3 heures, c'est moi qui allais chercher pour qu'ils donnent chez moi. C'est moi qui gérais presque tout le temps avec la famille de ménage, même son père. Il ne touchait pas son père parce que c'est quand c'est son père allait se changer contre lui. Alors que lui, il est devenu chef parce qu'il a acheté les âmes. Il a acheté les âmes avec l'argent pour être chef dans le village de son père. Vu que dans ce village, son père n'aime pas la communauté faisait. Mais il a acheté pour faire du mal. C'est ça qu'il fait jusqu'à l'heure actuelle. Donc j'ai vécu beaucoup de choses atroces, beaucoup. Si réellement, j'étais bien traité, il n'y avait pas toutes ces choses. Je n'avais pas, je n'allais pas avoir l'idée de prendre cet argent. Je ne pouvais même pas le toucher. Parce que même moi, il m'interdisait de manger chez lui, de toucher à sa chose. Il ne se cache pas. C'est un homme qui n'a pas honte. C'est un homme qui n'a pas honte. Donc, honnêtement, excusez-moi si on était arrivé jusqu'à ce niveau. Franchement, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme que Dieu me pardonne. C'est vraiment, je ne l'ai rien, là, mais je ne l'ai pas un nom. Et il voulait le pouvoir que j'ai, que mes parents m'ont transmis, parce que mon grand-père était chef, mais c'est moi qui me suis seul. Donc voilà, tous ces problèmes. Donc, j'ai été condamné à 10 ans, et les gars auxquels j'avais cru l'argent, et j'ai continué l'argent de garder, ils lui ont remis une partie d'argent, ils sont assis sur une partie, je suis en prison, moi je sors, je n'ai rien, donc je me barre comme ça. Pour survivre en prison. Et on m'a donné 10 ans. Bon, je suis là, je prie seulement que vous me dites que Dieu essaye vraiment de toucher vos cœurs et que vous me dites que je puisse m'en sortir ici. Je vous demande franchement de m'aider. Je vous demande pardon si peut-être j'ai posé cet acte. Je n'arrive franchement que vous me dites. S'il vous plaît, je vous en prie. Je vous remercie. Ok, je pense que vous avez écouté le témoignage de Benjamin Rim, un ex-homme de ménage, si on peut l'appeler ainsi, du ministre Narcisse Mouelle Kombi, l'actuel ministre des Sports et de l'Éducation physique. À l'époque, quand il travaillait chez le ministre, ce dernier était ministre des Arts et de la Culture.
Vous l'avez donc suivi, vous avez compris les raisons qui l'ont poussé à subtiliser cette somme de 85 millions de francs CFA au domicile de Narcisse Mouelekombi. Bon, c'est tout simplement parce que Narcisse Mouelekombi, comme il l'a si bien déclaré dans cet audio, est, comme on dit vulgairement au Cameroun, Narcisse Mouelekombi est chiche. Il a le frein à main. Donc, voilà pourquoi, accumulant plusieurs mois d'arriéré de salaire, maltraité, exploité, surexploité même, il a été obligé de prendre de l'argent au domicile de Narcisse Mouelekombi. Maintenant, je vais m'adresser au ministre de l'éducation physique, des sports et de l'éducation physique, l'actuel ministre des sports et de l'éducation physique, Narcisse Mouelekombi. Monsieur le ministre, je vais commencer. Moi, je ne vais pas aborder l'aspect sur vos pratiques mystiques, vraiment, parce que vous tous, les collaborateurs des BIA et tout ça, vous êtes tous pareils, vraiment. Ça, c'est votre... Je considère ça comme votre vie privée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent que vous gardiez chez vous. Ou alors que vous continuez à garder, parce que je suis sûr que vous continuez à garder beaucoup d'argent dans votre domicile. La question que moi, je vais vous poser, c'est de savoir quel est votre salaire mensuel au point de vous retrouver avec des centaines de millions chez vous, à votre domicile. Quel est votre salaire mensuel, Narcisse Mouelekombi? Vous touchez combien à la fin du mois au point de vous retrouver avec plus de 100 millions dans votre domicile? Quel est votre salaire? Quel est le texte ministériel qui vous donne droit d'avoir un coffre-fort chez vous et d'y garder d'énormes sommes d'argent, des centaines de millions? Bon, admettons qu'il y ait un texte ministériel qui vous autorise à garder autant d'argent chez vous. Est-ce que quand vous décaissez de l'argent à partir de ce coffre-fort, est-ce qu'il y a un contrôleur financier qui appose son visa dessus? Est-ce que les agents comptables du Trésor contrôlent le mouvement de l'argent que vous gardez, les mouvements de l'argent, des sommes d'argent que vous gardez chez vous? Je vous pose la question. Bon, maintenant, voilà des jeunes issus de familles pauvres. Vous les prenez, vous les recrutez chez vous. Hein? Maintenant, au lieu de les payer comme cela se doit, vous les envoyez en mission pour le compte de votre ministère, ministère de la Culture, ministère des Sports et tout. D'abord, à la maison, le travail qu'ils font chez vous à la maison, vous ne les payez pas pour ça, régulièrement. En plus, vous, ça veut dire que vous les exploitez déjà à la maison. En plus, vous les utilisez pour des missions, je ne sais pas si je peux appeler ça des missions secrètes, pour le compte du ministère dont vous avez la charge. Les filles que vous recrutez chez vous, vous abusez de ces filles-là. Vous abusez de ces filles-là. Et vous ne les payez pas régulièrement. Et maintenant, quand ces gens qui sont exploités, qui sont mal payés par vous, tentent de prendre de l'argent, et de l'argent volé en plus, l'argent que vous gardez chez vous, vous estimez qu'ils ont volé votre argent, vous les prenez, vous les jetez en prison. Et je profite de l'occasion pour m'adresser au magistrat du tribunal criminel spécial. Quand j'étais au Cameroun, j'avais très souvent l'habitude de fustiger les magistrats du tribunal criminel spécial. J'avais très souvent l'habitude d'en appeler à ce qu'on dissolve ce tribunal criminel spécial qui ne sert à rien, qui n'est qu'un instrument que Paul Biya et sa famille utilisent pour régler des comptes aux gens. Voilà donc un problème qui est posé aux magistrats. Mouelekombi va rencontrer des magistrats pour se plaindre de ce que
des centaines de millions ont été volés chez lui. Or, dans des pays qui se respectent, le magistrat, c'est plutôt le ministre qui aurait été poursuivi par ce magistrat-là. Parce que le magistrat lui aurait demandé, « Tiens, tu te plains aujourd'hui de ce que de l'argent a été volé chez toi. D'où te vient autant de millions de francs, des centaines de millions ? Toi, ministre de la République, tu touches combien à la fin du mois pour garder autant de millions chez toi ? » Voilà ce que dans un pays normal, un pays sérieux, une république qui se respecte, un magistrat se serait comporté. Les magistrats du tribunal criminel spécial auraient saisi la balle au bon, auraient convoqué Narcisse Muele Kombi afin qu'il s'explique sur la provenance de cet argent. Oh, maintenant, Muele Kombi se plaint que de l'argent a été volé sur lui. Mais attendez, la chèvre boude là où elle est attachée. Hein? La chèvre boude là où elle est attachée. Et en plus de cela, vous ne pouvez pas utiliser les gens chez vous, exploiter les gens chez vous. Vous ne les payez pas normalement. Mais vous les utilisez pour transporter de l'argent public, l'argent du contribuable camerounais. Pour transporter cet argent chez vous. Et vous espérez qu'ils ne vont pas toucher à cet argent. Alors que vous savez très bien que ces enfants-là, que vous utilisez comme chauffeur, comme garde du corps, comme, comme ménagère, comme cuisinière, comme garçon de course, vous ne les payez pas normalement. Et vous espérez qu'ils ne vont pas toucher à l'argent que vous avez gardé chez vous, dans votre coffre-fort, monsieur Narcisse Muele Kombi. Et maintenant, vous prenez les enfants de QI, vous les faites jeter en prison, vous les faites condamner à 10 ans de prison ferme. Voilà un jeune homme comme ça là. Sa vie a été détruite comme ça là. Je crois que ce Benjamin Rim doit avoir 35 ans. Il doit avoir 35 ans. Voilà une vie qui a été brisée comme ça là. Et c'est comme ça, tous ses proches collaborateurs de Biya sont comme ça. Des hommes sans cœur. Vous finissez d'utiliser l'enfant d'autrui, maintenant vous le jetez vous, comme une orange pressée. Moi, j'estime que ce garçon-là n'a commis aucun crime. Il était dans le besoin. Il était dans le besoin. Nous connaissons ce que c'est que vivre dans une ville comme Yaoundé. Nous connaissons ce que c'est. Avec 30 000, 35 000, tu peux faire quoi à Yaoundé? Tu payes ton loyer comment? Tu payes tes factures comment? Factures d'eau, factures d'électricité. Tu payes ton abonnement au câble comment? Tu payes ton taxi pour aller au travail. Bon, laissons le taxi, puisque Narcisse Muele Kombi aurait dit au juge que Benjamin Rim n'habite pas très loin de chez lui. Mais et pour les autres, alors, et pour la ménagère et les autres, ils doivent payer leur taxi. Moi, j'ai vécu à Yaoundé. Je sais ce que c'est que avoir de l'argent à Yaoundé. Je sais ce que c'est que vivre à Yaoundé. Avec 30 000 francs, 35 000 francs, tu sais comment? Pour te soigner. Quand tu as un cas de maladie, que ce soit toi-même, que ce soit un membre de ta famille, qui compte sur toi, qui compte sur ton travail pour lui aussi sortir pour combler ses besoins, tu fais comment? Tu fais comment? Et Narcisse Muele Kombi prend l'argent du contribuable camerounais, il part garder chez lui, dans des coffres forts, et il espère que les gars ne vont pas toucher à cet argent. Mais monsieur le ministre, vous avez quand même fait fort. Hein? Vous avez fait fort, monsieur le ministre, Muele Kombi. Et le gars raconte que... Et il utilise même ses employés de maison pour ses pratiques mystiques. C'est-à-dire qu'on finit de te vider. C'est-à-dire qu'on finit de te vider mystiquement. Après, on te prend, on te jette à la première poubelle. Voilà comment ces proches collaborateurs, ce membre du cartel qui gouverne le Cameroun fonctionne. Voilà, donc c'était donc ce que j'avais à dire concernant ce sujet. Merci d'avoir suivi. Merci pour vous tous qui êtes en direct. Voilà, vous avez pu le remarquer. Désormais, nous diffuserons des vidéos ici en mode StreamYard.
Pour le moment, parce que ce n'est qu'un essai, et le moment venu, vous verrez que ce logo va disparaître. Mais pour des raisons purement financières, nous ne sommes pas encore en mesure de faire disparaître, de faire disparaître ce logo. Merci pour tous ceux qui étaient connectés. Merci de partager la vidéo au maximum et à bientôt pour une autre séance vidéo et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.